Des problèmes qui se posaient au niveau de l'éducation, notamment en matière d'infrastructure. Et de là, ils ont décidé donc de venir installer un nouveau bâtiment scolaire à Godot. Leurs moyens, parce que bon, quand on commence, on crée une association, généralement on a très peu de moyens. Mais ils se sont tellement battus qu'ils ont eu assez d'argent pour payer une classe. Et donc notre association à financer les deux autres classes de façon à avoir tout de suite un bâtiment de trois classes. Monsieur Jacques Ferrand, président de l'association Toissé-Poa, va vous expliquer un petit peu donc quels sont ses désirs pour le futur. Puisque quand on commence une association, il y a une première action, mais ensuite on a envie de continuer. Donc c'est avec vous qu'il doit discuter de tout cela. Et j'espère qu'on aboutira à une très très belle école qui fonctionnera très très bien et qui aura de très bons résultats. Projet. Nous avons l'intention de poursuivre notre action dans la mesure de nos petits moyens. J'insiste sur petits moyens, car j'avais compris que monsieur l'inspecteur, tout à l'heure, m'a fait inciter à bien prendre conscience de la situation. Il manque plein de choses. Et nous allons essayer de vous aider à combler ces lacunes. À savoir, je crois, si j'ai bien compris, l'accès à l'eau potable et l'électrification des bâtiments scolaires. Toutefois, je me permets de vous signaler ce que j'ai dit tout à l'heure aux enseignants. Vos communes sont très étendues et comptent beaucoup, beaucoup d'habitants. Notre commune à nous comprend 1500 habitants, plutôt moins que plus d'ailleurs, et la superficie de la commune, cela va vous faire sourire par rapport à vos communes à vous, est de 134 hectares. J'ai très bien prononcé, il n'y a pas d'erreur. 134 hectares. Donc 134 hectares, on les voit. J'ai vu tourner la tête, on a fait le tour. Cela veut dire que nous avons des moyens en personne et en finance qui sont relativement minimes, mais nous sommes très fiers, en l'espace de 2 ans et demi, d'avoir pu, en relation avec Respublica, mener une partie, un tiers de ce projet, disons, au bout, et nous sommes très heureux de le voir abouti.